Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Darkest Dungeon 2. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai changé la position de la cam, on verra. On verra, j'essaye des trucs, on verra. Voilà. Tant elle va bouger pendant l'épisode, quoi. J'ai rééquipé un peu des breloques sur mes persos. J'ai regardé les tutos, j'ai un peu mieux, je crois, compris certains trucs, peut-être. Comme le fait que définitivement. En fait, j'ai l'impression, par exemple, que taper dans les chariots, contrairement à ce que je dis d'ailleurs. Ah, par contre, je cache ça là. Ça. Mais bon. Contrairement à ce que je dis, ouais, se cacher dans les enfin, se cacher. Taper les caisses et tout au sol, ça me donne des loots, certes, mais je crois que c'est ça aussi qui implique des fois les interactions entre les persos. Ou le fait que les persos ils stressent. Donc je vais essayer de pas taper dedans, et voir si les persos ils gagnent naturellement du stress ou pas. J'ai rééquipé des trucs, genre le lot d'Anom et compagnie. Donc là, nous, on doit faire au moins 3 rencontres d'aide. Pourquoi ça c'est. Voilà. Il faut qu'on passe par là. Genre, on va faire ça, ça. Ça, ça, là, et ça, bon, du coup, on va faire 4, quoi. Mais au moins, on a 2 hôtels héroïques. Et ça me paraît bien. Non, pas ça, ça. Oust. Bah, du coup, on y va. Et ouais, je crois que les chemins bleus, on a 10 milieux, hein. Oui, on a 10 milieux. Ah, j'ai pas regardé. Aïe 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 aïe. J'ai dit qu'on fallait pas taper les caisses. J'ai dit qu'il fallait pas taper. En tout cas, Corvo il a pris un stress. Ah, et là, il réagit. Mais arrête. Enfin, je dis qu'il faut pas taper. Au secours. Je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui voilà. Déclenche. Ah, le problème c'est que du coup là je suis au-dessus, quoi. Bon, au moins vous voyez les récompenses. Enfin, on verra, en fait c'est surtout pour les combats où il faut que je vois si ça passe cet endroit là. Parce que comme ça moi je pense que je cacherai le moins de trucs possible. Bon, mieux vaut quelque chose d'utile plutôt qu'une poignée relique. Ça augmente de 30 la flamme. Et nous pouvons marchander avec le peu que nous avons. Ah ouais, mais c'est même récompense, same shit de toute façon. Donc je sais pas lequel des deux est le plus stressé entre les deux. Allez, Corvo. Corvo, il est un peu tatillon, donc. Ouais, des bandages, la moisissure de vase. Ah oui, je voulais tester un truc. Je voulais tester de jeter la moisissure de vase. Aussi. Parce que j'en ai 12 milliards, là. Ouais, voilà, 12 milliards. Genre, hop, jeter. Ah ouais, mais ma torche était déjà à 100. En fait, comme ça disait que ça donnait de l'espoir, je voulais voir ce que ça faisait exactement. Mais Et ouais, du coup, je crois que les chemins bleus, c'est des chemins où il y a des combats. Donc là, on est encore sur un chemin jaune. Normalement, on devrait pas être en bouche. Je pense. Enfin, en bouche. Pas forcément en bouche. Ah non, il prend du stress quand même, hein. Ah ouais, non. En fait, non, c'est juste que je pense que c'est l'équivalent des cases. Enfin... Il y a un équivalent de cases dans le jeu où du coup bah t'as la chance que ton perso il pète un cap, t'as la chance que ton perso il s'énerve avec quelqu'un, qu'il aime bien quelqu'un, ok ouais, non mais Osef, donc on peut taper tout en fait. Et la Raki a craqué. Ah, Baristan il est full heal là du coup. Hein. Bon, Lara voilà, mais Baristan full heal. Hein. Alors, les échos du passé, qui on améliore? Je serais bien tenté de faire la pilleuse de tombe, moi. Parce que... on gagne un spell avec les persos. Alors après... En fait, attendez. Pilleuse de tombe, on peut gagner quoi? Elle avait quoi? Elle avait sa fiole d'esquive, mais ça, je sais pas. C'est peut-être remplacé par l'absinthe. Parce que peut-être que je sais plus comment elle s'appelait, sa fiole, qu'elle buvait et où elle pouvait gagner de l'esquive. Elle avait quoi comme spell? Elle avait un truc qui la mettait en dernière position, là. Et qui la rendait furtive. Et elle a un... Oui, il faut... En fait, oui, c'est ça. Il faut que je cherche un truc qui la rende furtive. Parce que j'ai vu que quand elle était furtive, elle gagne un effet en plus sur son lancer de dague. Donc, let's go. Let's go. On fait ça. Alors, ouais. Du lore ou un combat? Luxury's lap. La luxure. Born into money and married into more, she spent her days on horseback and her evenings in the ballroom.
She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper, placating his worst tendencies with a veneer of gracious deference, all the while indulging murderous fantasies of freedom and the fortune that would soon be hers. Bon, ouais, bon, voilà, hein. En même temps, ouais, hein, ouais, coup dur quand même. Ah, bon passé sympathique, en tout cas pour les différents persos, j'ai l'impression. Ok, bon, elle a gagné quoi? J'ai pas vu. J'ai pris, mais j'ai pas vu. Nuit noire. Hein? Nécessite target cadavre. Clear corpse. Soigne 33 CPV, se met en furtivité. On enlève quoi? On enlève ça? On enlève ça qui est nul tiers? Enfin, qui... Ah. Ouais. Donc voilà, comme ça au moins, j'ignore... C'est ça. Elle ignore les chances d'esquive, et ça, c'est trop bien. Ça, c'est beaucoup trop bien. Consider all variables, but do it quickly. Hôpital, random hôpital. Non mais... Onward. Je peux pas y aller à l'hôpital en fait, vous m'emmerdez hein. Parce que si je vais à l'hôpital, je rate toutes les rencontres d'aide. Et derrière, je peux plus les faire en fait. Donc non, vous allez vous énerver, mais non, pas ça. Vous allez vous énerver, mais c'est mort. On va là hein. Prennent tous un de stress du coup hein. Et on loot rien. Ah, ce n'était qu'une vaste erreur. Ah ouais, tout était une erreur, tout n'était qu'une blague. Ouais. Et donc là, on a un combat. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que je cache quelque chose ou pas? Sûrement. Je vais quand même sûrement me démerder pour cacher quelque chose. Bah oui, je cache les spells. On va essayer ici. J'ai l'impression que... Ah, c'est peut-être la bonne position, ça. Bon, vous verrez peut-être pas, ouais, il y a des trucs des fois vous verrez pas à quantité, bon. Donc, ok. Donc tu peux là. Hein. 8 PV. C'est strictement inférieur. Hein. Je sais pas si ça marchera là. J'ai un doute. Elle a pas gagné ses PV. Donc c'est strictement inférieur. Mais non, mais comment c'est... Mais ça, j'ai tout intérêt à l'utiliser, c'est gratuit. Ouais, et ça, oui, voilà, pareil, un truc que j'ai vu. En fait, je pense que des fois, quand ils soignaient pas, c'est pas qu'ils voulaient pas. C'est juste que les PV, elles devaient pas être inférieures à 50%, à mon avis. Attends, ça fait quoi déjà? Ah, il y a 33% de chance de combo. C'est pas si dégueulasse. Sauf que je peux pas le toucher avec ça. Ça dure combien de temps le combo? Jusqu'à ce que ça soit utilisé? Imbécile, andouille! Je sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais... Ah mais... Bah oui, c'est à ça que ça sert l'eau bénite. Ah et pareil, le x3, je me suis enjaillé, mais je crois que c'est 3 tours en fait. C'est pas un x3 de dégâts sur la riposte. Hein. Parce que au niveau des dégâts, ça ne correspond pas quoi. Ok. Ok. Allez, esquive. Hein. Ouais, voilà, et là je le vois parce qu'elle gagne, elle dit plus 11, quoi. Je joue dangereusement là. Hein.
Je sais pas ce que je fais. J'ai l'impression. Je suis pas sûr de faire ce qu'il faut là. Impressionnant, n'est-ce pas? Bah oui! Eh oui, voilà, bon, hein, voilà. Je veux dire, c'est quoi? Ils sont en trouble, hein, c'est ça? Ah, trouble, c'est pas clair. Parce que là, il a gagné un point. Mais pourquoi elle a gagné un point? Pourquoi là, elle a pas été jalouse? Ah bah, il a one shot en même temps. Elle pouvait pas dire, ah, c'était le mien! Il a one shot. Ok, donc là, normalement. Non, c'est pas ça. Putain, je me suis gouré de spell, t'as. Hein? Ah, c'est faire front! C'est faire front qui stun! Je suis dégoûté! Mais non! Yes! Tu veux pas reculer toi? Non. Il faut que. Il faut que Dispass. Fallait que Dismas il joue avant. Non, il pourra jamais. Bon. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je mette l'absinthe? On va dire que non. Hein. Mais putain. Ouais. Tiens. Calme-toi un peu, toi. Râle pas, s'il te plaît, râle pas. Merci. Oh, il est si chaud. Mais non. Mais non, mais pas lui. Mais non, mais... In this world, wealth is worthless without purpose. Moins 3 de stress. Ça, pareil, ça, je crois qu'en fait, il faut que je les utilise à l'auberge. Et comme un connard, j'ai jamais rien utilisé à l'auberge, quoi. Ce qui fait que, bah, du coup, forcément, là, mes personnages, ils vont mourir, quoi. Donc, si on arrive à survivre, normalement, on devrait pouvoir réussir à peu près à se mettre bien. Mais faut qu'on survive, quoi. Faut qu'on arrive à survivre encore une expédition, là. Hein? D'accord. Alors, attendez, hein. Oh, mais ça, plus 3 de stress, c'est mort. Ça, c'est mort, je peux pas, hein. Ouais, non, mais c'est mort. Poussons-les hors de la boue. Ouais, je volerai un peu. Je volerai tout ce qu'il y a de n'importe qui. Mais sinon, j'espère que nous pourrons trouver un appui. Cette boue a l'air traître. Mais quelle boue là? Il parle de boue, mais. Bon, je vais. Je vais prendre ça. On va gagner un attribut. Je suis curieux de voir lequel c'est. Il a résisté. L'attribut, c'était une maladie. Une chance à eux. Je sais pas du coup s'il faut que je tape. Ouais, bon, ouais. Quelle haleine dégoûtante. Non, mais ta race, à qui tu parles encore? Mais putain. Mais merde. Mais là, ouais, là, j'ai l'impression que c'est ça qui la trigger. Mais en fait. Racing Oblivion. Merde. These folks have kept their honor. Have you? Notre assurance les rassurera. Je ne vois pas en quoi les aider pourrait être négatif. Mais ça, c'est moins 25 de light. J'ai pas envie, hein. Même si c'est full loot. C'est sûr que ça, c'est peu, mais. In crisis, no gain is insignificant. Là, au moins, on a fait 3 rencontres d'aide. Hein. Donc là, on va là. Compliqué. Ce lieu de nos regrettables recherches. Non, après, à tous les coups, il doit y avoir des upgrades pour la diligence qui me permettent de genre améliorer le confort ou une connerie du genre, quoi. Il doit y avoir des trucs comme ça, c'est pas possible. Ennemi, ennemi quoi? Ennemi inébranlable? Non, j'ai pas lu. Mais ennemi vénère. Oh, il a résisté. Il a combien de pourcents de résistance que je rigole un peu là? Ouais, 10%, ouais. 90% de chance de le prendre et il a pas pris.
Ah c'est ça, ouais, plus 20 de résistance à la... Ah, mais on s'en fout parce que... Ça va. Non mais ça va parce qu'en vrai, on s'en fout. Et vu qu'en vrai, ils en ont pas de base, donc ils peuvent pas mourir. Ouais, maintenir Al, ça a marché. Incroyable. Bon. Ok. Bravo. Nickel. Par contre, ouais, là, j'ai plus l'esquive. Le seul truc, c'est ça, quoi. Ça, c'est pénible, par contre. C'est méga pénible, même. Boum. Yes. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé ses chances de résistance au stun, mais... Ok. Mais là, du coup, maintenant, le sort est méga fort. Avec toutes les chances de trucs qu'il peut avoir. Ah, comment ça, il pouvait passer un stun, là? Pas tout suivi, mais ok, hein. Donc elle, son tour est repoussé. Lui, il est mort. Donc toi, là, t'avances, mais t'avances pas, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien. Et comme c'est le seul à l'avoir touché, y'a personne qui va me dire « Ouais, machin, tu me l'as volé. Tu me voles ma gloire. » Voilà. Make all the difference. Ah ouais, je peux lui faire bouffer une tombe si je veux. Gardez le rythme ou dégagez. Ah mais putain. Comment tu veux qu'elle garde le rythme si tu lui fous des trucs dans la gueule? Mais ça on s'en fout. Ah quoi que non, on gagne la furtivité. Ouais mais on s'en fout. Résistance au stun. Ok. Il est mort. Comment ça? Mais non mais arrête, elle le tue. Elle le tue, arrête, t'énerve pas. Vous énervez pas les uns contre les autres. Elle vient de le tuer. Méritez pire. Non mais putain. Mais vous m'énervez. Vous m'énervez. Non, mais ça... Non. Ouais, buff toi. Fais genre. Fais genre, tu fais quelque chose. Toi aussi. Voilà, soutien. Je sais pas si ça peut te rabibocher avec... Non, non, ils s'en foutent. Hein. Vraiment, ils s'en battent les steaks. Hein. Ils ont vraiment rien à foutre, quoi. Plus 10 de résistance au poison. Sur qui on met ça? Voilà. Ah, Corvo. Corvo, il y a un truc. Corvo, il y a quelque chose qui va pas. Un objet de combat. Ah oui, il en a plus. Oh, boum de soin. Boum, allez. Allez, vas-y. Toi, t'en as encore. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé de ressources. Mais en même temps, bah, je pense que... Je pense que c'est le but, enfin j'arrive pas à savoir, encore une fois, hein, bon, on reste sur ce truc de comment ça se passe, la mort. Comment ça va se passer si je perds un perso et tout. Parce que je ne sais toujours pas, hein, j'avoue que... En fait, c'est pas l'impression, je sais pas. Parce que il y a beaucoup de mécaniques qui font très roguelike. Mais on va voir, hein, on verra bien, de toute façon, voilà, je me dis bon, on verra. Non, de toute façon, dans ce jeu, techniquement... Il y a de grandes chances qu'on finisse par mourir, quoi. Les bureaux de... Le bureau de l'universitaire. Pas les bureaux. Oublie. Non! Non! Non, non, non! Non, non, non! Non! Non, on n'y va pas! Ouais, ça me dépasse. Existe-t-il d'autres réalités avec leurs propres règles? Non! Non, 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 non!
Cette chose est maudite, mais son pouvoir n'est pas que légende. Bah ouais, non mais. Ah, ça va donner des trucs de ouf. Mais non. Faut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ça, en tout cas, si c'est comme dans le 1. C'est comme dans le 1, on va se choper. Comment il s'appelait? C'était pas le collectionneur? Le collecteur. Peut-être le collecteur. Qui, voilà, qui était insupportable. Il était horrible. Non, 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 je vais me rappeler le combat. Non, c'est mort. J'ai pas assez de dots. C'est indulgence universitaire. Ouais, c'est bon. Oh non. Hein. Oh non, 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 non. N'avançons jamais. Si on avance, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, Dismas, on avance. Je t'assure. Vous êtes toujours vivant, regardez, vous avancez. Ok, là, je crois que lui, il faisait du stress, hein, ou des malus. Là, ça fait plus de dégâts, ça, hein, définitivement. À 30% de chance de résistance à l'infection. Bon, allez, tu m'as raté du 10%, merci. 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 Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, comme ça au moins le vulnérable, on s'en foutra quoi qu'il arrive. Ça en vrai, c'est beaucoup trop fort. Ça peut me permettre de tempo au début là. Est-ce qu'ils risquent pas de se battre les deux là? Pour l'instant non. En fait j'essaye vraiment de comprendre. Parce que ça c'est le truc que j'arrive pas encore à. J'ai encore du mal à cerner. Ce qui fait qu'ils se battent ou pas entre eux. Pourquoi des fois ils sont contents et des fois ils sont en mode ah, tu m'as volé ma cible et tout. Ils ont rien gagné. Ça il me semble que là-dessus j'avais réussi à gagner des points une fois. Ok lui il a ça, c'est bien. Ah non, il se met furtif. Ah merde. Ne regardez pas, c'est ma faute. Mais non, mais lui le balance pas un truc comme ça du coup. Putain. Je peux pas le toucher. Mais putain, mais la rac qui s'est embrouillée avec tout le monde. C'est insupportable. J'en ai plus? Ah, en recharge. Ah, recharge, ça veut dire qu'il me faut un tour de recharge. D'accord. Oui, ok. Ce qui comprend aussi pour pas que tu puisses le spammer. Ok. Bien, bah compense son malus, toi. Ok, ouais, voilà, ça le fait disparaître parce que c'est du 50-50. Ok. Bon, ça le tue, ça. Oui, c'est bon, ça le tue. En plus, on est avec un crit, je crois. Pas le seul à crit, hein. Pas le seul, hein. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais non, mais non, mais non, mais non. Et ils se détestent. Ils se détestent tous, ils se détestent tous. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, le stress en plus. La crise. La crise de nerfs. Suicidaire. Ah, mais ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Il me semble que c'était dans les jeunes. Putain. Ah putain. Allez. Ah mais là, ils sont suspicieux. Suspicion, pas haine. Tout va bien. Oh yes, incroyable. Ça les a rabibocha. C'était sur lui qu'il aurait fallu que je le mette. Hein. Ceci. Là, pareil, recharge 1. Donc ouais, pareil, prochain tour, je pourrais pas le faire, mais tour d'après, oui.
râle pas, s'il te plaît, râle pas. Merci. Incroyable. Il s'est protégé pour... Ouais, deux d'horreur là par contre. Et ouais. Et en plus je peux même pas le... Oh là là. Ah si je peux. C'était nécessaire là. S'il te plaît, merci. Merci, ça les a pas... Voilà. Très bien. Donc ouais, en fait... Ouais, je pense que du coup, je suis tellement... Je joue tellement grid, on va dire, de manière générale. Enfin, tellement assaut. Que du coup, ils sont juste en mode... Enfin, ils se supportent pas entre eux. Quoique, après, Corvo, il soigne. Donc, il devrait avoir... Ouais, je sais pas. Bon, il y a encore des choses, hein. Il y a encore des choses à prendre. Clairement. Après, par contre, Dismas, il rigole pas, hein. En vrai, Dismas, il est méga vénère. Voilà, tue-le. Koros. Voilà. Kolosse. C'est bien. Bon, il reste plus que la veuve, là. Ok, zéro. The slow suffering begins. Ah, mais non. Ça, c'est mieux. Ça revient même. Enfin, ça revient même, mais je gagne la furtivité, donc je peux... Vous vous retenez? Mais non, mais... Putain, mais tu l'aides. Trouble, haine, j'ai pas lu. La joie, quoi. Ah, elle a gagné ça. C'est dommage que je puisse pas l'utiliser. Sauf si j'arrive à bouffer le cadavre. Mais il va encore m'en vouloir. Ah bah non, mais c'est mort. Donc, bon, de toute façon, je vais faire ça. Hein. Bah, bravo. Ils vont s'engueuler, mais... Ah non. Bravo. Plus un de maîtrise. Des reliques. Ok. Faut qu'on arrive à survivre. Faut qu'on arrive à l'auberge. Please, arrivez à l'auberge. On en est où dans la map, là? Rencontre d'aide. Entre. On est bientôt à la fin, je crois. Ouais, viteuf. On a encore quelques combats qui nous attendent. Hein. Et je pense qu'en plus, le pire, c'est qu'après, on va avoir le Lofing qui va être remonté à 100%. Donc ça va être la merde. Parce que j'ai fait aucun combat de résistance ou de combat qui baisse ces trucs-là. Sachant que dans les antres, j'ai vu, on peut faire jusqu'à donc 3 combats, visiblement. Et le troisième combat, c'est un boss. C'est ce qu'il disait. Ah ouais, sauf que là, du coup, vu que le feu, il leur donne plus le bonus... Et qui se détestent tous. Là on passe à 65. 60 oh. Ah ouais, c'est 5% par haine de compagnon, quoi. Ah ouais, 60%. Oh putain. Oh l'enfer. Oh l'enfer. I trust you have calculated your odds carefully. Ouais. Désolé d'espace, hein, mais bon. No gain is insignificant. D'accord. Des objets d'auberge, donc. De la bouffe. Vous voulez bien mourir, mais putain. Il a mis un malus, je sais pas, je crois que c'est à d'espace, mais... Quel enfer. Donjon du général. Donjon du général. Easily. Ennemi dynamique, plus 3 de speed. Si vous voulez, hein. Donc ok, ils ont des buffs aléatoires, c'est des ennemis d'Elat. Oh, mais vous me le dites si je vous emmerde, hein. Vous me le dites, hein. N'hésitez pas, hein. Oh, mais c'est bien. Non, mais c'est bien.
Voilà, toi, tank toute ta vie, toi. Oh, les malus. Mais le malus qu'ils mettent, il est un... C'est infâme, ça. 30% de résistance, ouais. Mais ça... Ouais, non, c'est ça qui va ignorer les... le blocage. Ok. Ah, mais du coup, par contre, ça utilise pas la parade. Ou ça la consomme pas. Logique. Logique, logique. Mais après, est-ce que ça la consomme sur une riposte? Je pense que oui. C'est dommage que ce soit sur les deux du fond que du coup mon homme d'arme peut pas toucher, quoi. Ça, ça tue. Ça tue. Nous combattrons ensemble. Nous combattons ensemble. Bravo. Mais pourquoi ça leur a donné un bonus? Je ne sais pas. Bon, tiens. Non, non, ne lui enlève pas son... Un de stress. Ah bah, ah bah. Non. Tu peux pas prendre ton eau bénite, toi. Non. Ah non, tu... Ça enlève pas ce genre de malus, par contre. Ah bah, c'est cool. Ok. Ouais, c'est... Non, mais c'est... Ah, merde. Ah. S'il te plaît, meurs pas maintenant. Au nom de l'amitié. Ils se détestent, mais au nom de l'amitié, je te protégerai. Ok. Ah, il a... Ok. Qu'est-ce que vous cachez? Non, mais non, rien, il cache rien. Il cache rien, je t'assure. S'il te plaît, infecte-le. Yes. Ok, lui il est mort. Bon, on va faire ça dans un premier temps parce qu'il est encore couvert. Pendant deux tours. Au moins il a plus sa protect de mort. Ok. Steady yourself. Ah mais 12 de dégâts, elle peut pas prendre des 12 de dégâts elle. C'est vrai que je pourrais utiliser les bombes de soins en plus, hein. Je devrais même. Bravo. Je ne sens rien. Bravo, c'est bien. Devenez potes. Par pitié. Ils vont râler, vous pensez? C'est bon. Mais non, pas... Pourquoi vous leur mettez de l'agonie? Pourquoi vous leur avez fait ça? 5%. Juste, vraiment, en plus, c'est vraiment genre, on leur a mis de l'agonie à eux juste pour qu'ils fassent chier quand vous voulez les tuer, quoi. Suffering. Combattons ensemble, voilà, bravo. S'il vous plaît, aimez-vous. Non.
Ah. A little help impeccably timed. Quatre. Il est pas mort. Deux. Il est toujours pas mort. J'en peux plus. Bah il est mort au prochain tour. Aimez-vous! Aimez-vous, bordel! Non, hein. Ah ouais, ça, peu importe son niveau de vie, elle peut l'utiliser. Non, on va se contenter de faire des soins militaires. Pour pas utiliser mes bonnes de soins. Non, 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 hein, mais jusqu'au bout, hein. J'espère que ça va pas les faire râler, mais jusqu'au bout, hein. Continue, continue. Je te protège, hein, je te protège. Mais t'es full vie, toi! Qu'est-ce que tu me brasses, putain! Fight through the fatigue. Full vie, elle est full vie, elle me fait chier! Allez, on tente. Allez, on tente. Chaque fois, je me dis, ouais, j'aurais pu tenter. J'aurais pas dû tenter. Non, mais le boss de Dark Souls, là. On en parle. Ouais. Ok, nickel. On va virer ça. Virer les vulnérables parce que ça va me casser les... Hein, en garde. Oh bah ouais, bah gagne de l'armure et gagne... Oh bah ouais. Ah ouais, yes, 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 yes. Comment on va gérer ça, nous? Attendez, expliquez-vous! Qu'est-ce que tu veux expliquer? Rien à expliquer là. Hein. Comment ça, ça... Hein? Attends, non seulement ça n'a pas ignoré sa protection, en plus j'ai pris la riposte dans la gueule. Voilà, ça a pris la parade au moins. C'est bien un truc bien chiant, hein. Ouais, mais oui, non, mais continuez, hein. Continuez, hein. Pas de soucis, hein. Ouais, voilà, j'allais dire, jamais ça se déplace, ça. Ça aurait pu prendre un stun. Pourquoi ça... Attendez, hein. À quel moment ça stun? Ça met un vertige, mais quand il y a deux vertiges, ça peut... Ouais. J'aurais pas dû faire ce combat. Hein. Confirmed. Quel dommage. Hein. Quel dommage que ça ne suffise pas. Fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Yes. Il doit être bientôt mort. Lui, il va m'emmerder, sauf s'il attaque lui, voilà.
pas si, parce que bah, de Devzor quand même aussi, hein. Oh mon médecin de... ouais, Corvo, 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 hein. Corvo, merci, Corvo, hein. Meurs. Merci. Ok, lui il est mort prochain tour. Mais putain, mais quel enfer! J'en peux plus. Tu vas soigner. Mais non, mais non, mais non, il voulait te faire. Mais non, compétence, il a bloqué la. Ah, parce que même lui, il peut pas. Bah, si, t'as moins de 50% de tes PV, toi. Qu'est-ce que tu. Saloperie. En agonie, action supplémentaire 75%. C'est trop fort ça. Augmente le cumul de reliques. Ouais, c'est tentant, hein. Mais le problème, c'est que là, le combat suivant, c'est un boss, hein. Non, c'est trop grid. In this world, wealth is worthless without purpose. Je pense qu'il manque, il manquerait un petit combo ou deux là. Parce que ouais, ils sont trop, ouais, ils sont trop stress, ils sont trop full stress, il leur manque des objets. En fait, faut plus se préparer, je pense, pour ce genre de combat. Mais ça m'arrange pas du coup. J'ai 40 milliards de sacs de potasse, mais je m'en fous en fait. Prends ça. Ah non, c'est là. One strength plus 5 speed pour 2 rounds. On va le mettre, mais. Ma torche est à 62. Ça a rien fait! Pas encore dormir avec les chevaux. Ah non, mais oui, ouais. C'est presque incroyable qu'ils arrivent encore à s'embrouiller quelque part. Hein. Et vraiment désagréable de voyager avec vous. Je vous vois tous pourrir devant moi encore et encore. Oh, Dismas qui va péter un câble. Est-ce que ça les a ça peut les déstresser, ça? Je sais plus. J'hésite, je pense que je vais prendre Corvo. Hein. En fait, j'aimerais bien avoir soit son double stun, soit son double. Enfin, son double stun. Son stun. Soit son double blight sur les lignes du fond. Ce serait quand même pas mal, je pense. Chef de classe. Combat ou pas combat? Dans le doute, hein. Ah! Hein? Le professeur était une relique. Ouais. D'accord, c'était une relique. Réfutation violente, soit même moins 3 de stress. Analyse de notes, moins 1 de stress. Bon bah on va commencer par analyser nos notes. On a pas besoin. Réfuter le professeur. D'accord. Il fait sa conférence, c'est chiant. Réfutation. Ah, 6! Hein? J'ai gagné moins de stress, plus 2. Ah. Ah! Conclusion. Quinte de tout. Symptôme d'une maladie mortelle. Chais! Ah, oh mais regardez ce. Regardez-le, ce professeur! Là, il a fait sa conclusion. Et là, je réfute. Et je te dis, ouais, mais tes poumons, ils sont merdiques, en fait.
Ils sont dégueulasses, mon gars. Oh là, meurs. She delighted in the combative debate, and behind her booker's glasses, yes, yes, reveled in their outrage and confusion. Ah. On va où? Je sais même plus où on va. On va aller là pour. On va aller là, on va aller à gauche. On va aller voir la cage de provisions. Ah, j'ai, comme d'hab, j'ai pas regardé ce qu'il voulait, mais bon, il y a que Lara qui était pas contente. Dismas, Baristan ont aimé. Ça me va parce que Dismas. Au moins, nous, on s'entend bien! Oh là là, mais c'est. D'accord, bon. Ça fait quoi, suicidaire? Attendez. Elle aime sentir sa propre mort en agonie, moins 10 de stress. D'accord. Ah mais c'est... Ah c'est... Ouais c'est pas si mal en vrai. Ouais ce qui fait qu'en fait... Ouais 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 je vois la logique, ouais ok. Ça part en mode Isaac quoi. Un linge imbibé de lait. Si le héros a une cécité, retire la cécité au héros. C'est pas mal ça en vrai. C'est peut-être un peu circonstanciel par rapport à l'eau bénite. C'est moins bien, je pense. Mais bon, je suis pas un perso d'ailleurs qui a pas de d'objets. Là, ils ont tous des objets. Ah ouais, mais toi, t'as ça, t'as le sac de potasse. Oh. Hop. Oula, 25 de lumière. Ah ouais, j'avais pas vu. Plus 1% de chance d'infinité d'affinité négative. Plus 1 de speed, plus 3 de critique, plus 5% de résistance à tout, plus 1% de chance d'avantage ennemi en combat. Casser la gueule. On va se faire casser la gueule. Oh, de la bouffe dégueulasse. Et le rempart du néant. Oh, mais c'est pas des cultistes, ça? Ennemi insensible. Plus 40%, bon c'est pas des cultistes donc ça va. Plus 40% de chance de résistance au stun. Donc tu les stun jamais quoi. J'ai bien. Oh, jamais remis son. Si, si, bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Je l'ai fait tellement machinalement que. Je pensais pas l'avoir fait. Bon, les deux sont chiants mais. Pourquoi il a de la furtivité lui? Ça me va, mais pourquoi il a de la furtivité? Non, non, ça vaut pas la peine. Ah ouais. Hein. On va tenter ça comme ça. Enlève la vulnérabilité. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça. Jouer avec le feu, souffrir des... Non mais putain, mais... Ah bah lui, bon, ça l'a déstressé. Non mais, quelques... non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, déstress 3, tant que ça... De toute façon, ça peut pas être pire, votre relation, donc... Mais non! Il m'a annulé mon truc. Pourquoi c'est lui qui a annulé mon truc sur lui? Je vous déteste. Merci, bravo. T'en faire sur lui. Mais... Ils sont insupportables. C'est quoi, c'est le loafing ça? J'imagine.
Vous êtes pas... C'est bien, vous êtes pas pénible. Non, mais non, vous êtes vraiment pas pénible. C'est ça qui est bien. Il va pas faire 100% de crit, lui. Je fais ça pour vous. Peut-être. J'imagine. Si je vous le dis. Bon, lui il est mort. Mais putain, mais essayez quoi? Il fait bien de faire une riposte. Apprends ton sort de riposte, après on en parle. Non, il passe à l'agonie. Oh, j'avais oublié ça. Oh non, mais non, du coup il va pas mourir. Mais non, mais non, mais j'en peux plus. Non mais je m'en sortirai pas, hein. Donc ça a pas fait de crit et ça a pas compté. Je suis bien dégoûté, hein. Ouais, parce que c'est pas un talent, mais bon, du coup, ça aurait pas dû le consommer. Potentiellement un bug, hein. Je sais pas. Oh la 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 la. Ah, le vertige, ouais. Ah ouais, du coup, le vertige s'était pas déclenché au premier coup. Mais il s'est déclenché quand j'ai... Ah, putain. Après, ceci dit, là, il y a une chance qu'il meure pas, hein. Il y a 5% de chance qu'il meure pas, hein. Mais mec, mais réfléchis un peu, il a 3 PV l'autre. Mais ouais, rigolez, vous êtes fous. Vous êtes malade, hein. T'es un malade, Bernard. Complètement malade, hein. Ouais. Moi, je suis à 29 sur 29, hein. Bon, c'est bientôt la fin, là, de la route, non? Ouais. On a survécu encore, hein. Je me trouve absolument insupportable. Dixit Corvo. On a survécu. Aïe. Rest now for a time. L'âtre brûlant. Dévot. Il est au service d'un pouvoir supérieur. Bon, c'est bien, visiblement. Pacificateur. Plus 30% de chance d'affinité. Oh, c'est bien ça. Positive. C'est Dismas qui a eu ça. Ivroy, laissez la bouteille. La bouteille. Objectif coup de main effectué. Ah, bah oui. Tout prendre. Ok, donc là, on va avoir des trucs à faire. Oui, bah alors oui. Alors le truc c'est que ça a dû sauvegarder en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Encore une fois, hein, et on continuera pour la prochaine run. Mais parce que du coup en fait, de toute façon j'ai que ça, hein. Ouais, que de ça. J'ai que de ça. J'ai pas de trophée, j'ai pas d'animal. Objet d'auberge, voilà. Mais ça, du coup, je peux les utiliser ou pas? Bon, on va vérifier. En fait, moi, de toute façon, je ferai ça en off. Histoire de... Voilà, pas vous...
Ça non hein. Putain, ça augmente de 10. Oh mais on s'en fout. Ouais, on pourrait augmenter. Mais il a 50% de chance de rester à la maladie, j'ai pas envie de lui. Bon ça. Je sélectionne un héros. Premier, je triche pas cette fois. Il s'est passé quoi? Moins 3 de stress. Tiens. Bon, ça fait que moins 2. Deux cibles, moins 2 de stress, augmente, améliore légèrement l'affinité. Ok, ouais, voilà. Mais du coup, ouais, c'est bien ça. Mais ça s'utilise ici, quoi. La place de whisky. À la bouteille. Ok. Non, mais en fait, ça, je l'ai depuis le début du jeu, quoi. Et je l'ai jamais utilisé. Ok, bon, elle est neutre avec Baristan, c'est un miracle. Lui, il déteste Dismas, froideur, ouais. On va essayer d'améliorer les relations entre Dismas et Baristan. Compagnie idéale des longs voyages. Puis un temps où j'en confisquais à mes soldats. Ok. Un laboratoire propre pour produire des résultats fiables. Incroyable. Plus de résistance jusqu'à la prochaine auberge. Au sang. Incroyable ça. D'accord. Ah ouais, non mais vraiment, en fait, là, du coup, hop, là, ça me rappelle ma jeunesse. Bah oui, non mais bravo. Bravo. Renettoie ton laboratoire, toi. Voilà, bravo. Moins de stress. Hein? Bloquer relationship. Ils peuvent pas, pourquoi ils peuvent pas, mais non. Joue aux cartes toi. Je comprends pas, il a l'air de se passer des trucs, mais je comprends pas. Toi tu prends ça. Ok, j'ai dit que je faisais ça en off et finalement je le fais là quoi, c'est beau. Hein. Plein d'argent aussi. Mais de toute façon il faut que je... En fait, de toute façon dans tous les cas je vais faire ça en off. Juste tiens, on va où? On ira ou dans la jungle, ou dans la putrescence. Faire au moins 4 combats de route, ça me donne 2 points de maîtrise. Confrontation, battre une rencontre de cultistes. 100% de chance de découverte, rencontre cultiste, plus de... Oh. Ça c'est peut-être bien. Hein. On pourra tenter ça. Hein. Another nameless city. Another inferno of mutilation and madness. Mais en fait dans tous les cas il faut que je réfléchisse à ça. En fait là du coup, ah ouais mais ouais bon si en fait je suis obligé de faire ça maintenant parce que sinon ça va cancel tout ce que j'ai fait. Si jamais je quitte le jeu. Relics remind us of a time before the end. Début de tour, 25% de chance de furtivité. Il y a des trucs forts là. Ça a l'air fort en vrai. Achète et mets sur elle. Donc ça tu vires. Non mais voilà, bon tu fais ça. Et ouais toi. Ouais tu repasses à 50. Et ouais bon du coup je vais regarder. Alors, attendez. Ah ça ignore la furtivité et ça la retire. Ah en cas de... Ah non, ça met aussi en plus la marque sur la cible. La marque de mort. Riposte contre la target, ok. Ouais, ah ouais, en vrai ça a l'air fort là. Ça. Moins 1 de stress. Ah et ça. Ça je crois qu'en fait c'est que c'est la l'esquive fois... 75% d'esquive là. C'est trop fort ça en fait. 4, 2, ouais. 3, 5, 10, ouais. Plus 50% de. Oh. J'ai envie d'améliorer ça et ça en fait. Mais
Ah ouais! Ça, c'est quoi? Ça met 4. Ouais, bon. Après, c'est sur les deux, hein. Ça fait 6. Ça fait moins 1 de stress en plus. Ah ouais. C'est vrai qu'après, avoir du stress contrôle, ça peut être bien. Oh! Ah ouais, soutien, ça devient trop fort. À la limite. Ouais. On va faire ça. Et ça. Conventional fare, but fairly priced. Ça me paraît pas si mal. Allez, on va tenter ça comme ça. Et on va se mettre en route du coup. Alors attendez, non. J'ai bien fait tout ce que je voulais ou pas? Ça, on a dit on peut pas. Hein. Bon, ça. Toi. Toi. Personne n'aime saigner. C'est vrai. Pas. Non, il y a peut-être des gens qui aiment saigner. Hein. J'en sais rien en fait. J'avoue que. Ouais. Ouais. Après, ça dépend. Genre, t'as saigné abondamment et. Après. Ce jeu qui soulève les vraies questions. La jungle. Et on arrive en ville. Admirer les grandes cités de l'humanité. Ah, c'est ce type de jungle. Oh, on n'est pas content, hein. Oh, je suis pas content. Par contre, j'ai plein d'argent. Aller à l'hôpital, ça peut être méga, méga worst. Bureau universitaire. Le problème, c'est que le bureau universitaire, on avait vu que c'était un peu l'embrouille. Hein. Je sais pas si on va retomber sur la torche de mort, mais une antre. Bureau universitaire encore. Rencontre d'aide, cash. En fait, il faut que je trouve une rencontre de cultistes. Win a cultist battle. Ouais, mais j'en ai pas repéré. Donc, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que j'aille à la tour de guet? C'est plus safe en plus, mais le truc c'est que l'hôpital, il n'y en avait pas un autre après. Si, y en a un là-bas. Oh, mais là-bas quoi. Genre là, c'est combat, combat, combat. Combat! Combat! Oh putain. On va s'amuser. Est-ce que cette run signera notre mort? Bah, réponse. Oh! 5% de chance de. Ah oui, le sac de vitesse. Ok. Oui. Et du coup, toi, c'est. Toi, non, toi, non, toi, non, c'est rien en fait. Si, pacificateur. Oui, c'est vrai que toi, t'es un pacifiste et c'est bien. Bravo. Bravo, Baristan. C'est Baristan qu'il est? Ah! Baristan et Dismas le sont? Oh, c'est bien. C'est très bien ça. Alors qu'on se pensait dans la mort, l'espoir renaît. Est-ce qu'il va réussir à se passer quelque chose de bien dans cette run? Pour l'instant, elle continue encore. Hein. Pour l'instant, on n'a pas perdu de personnage. Ça, c'est quand même bien. Je pense. J'imagine. En fait, j'arrive. Ce qu'il y a, en fait, voilà, le truc, c'est que j'arrive pas à savoir si, en gros, le principe du jeu, c'est qu'en gros, tu vas faire des runs avec ton roster de personnages, puis basta. Ou par exemple, quand genre, si jamais j'ai un personnage qui meurt, est-ce que je vais croiser une croisée des chemins qui va me permettre de re-recruter un autre personnage pour pouvoir refaire mon roster de 4 et comme, continuer comme ça, en fait, à l'infini. Et t'as un vrai game over si tu perds tous tes persos, par exemple. Du coup, ça voudrait dire que le jeu est beaucoup plus chaud. Je sais pas, en fait, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'après, il y a un truc. Je peux vous le montrer normalement. C'est ça. Voilà, moi j'ai vu ça là. Profil. Et profil, t'as des niveaux. Et en fait, j'ai compris qu'après coup, j'ai compris que la furie, c'est comme ça que tu la débloqueras. Donc, et ça, je sais pas comment on l'a. Je sais pas comment on gagne des trucs, mais. Mais après, on gagnera ça, quoi. On gagnera des améliors. Donc, j'ai pas regardé ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait des améliors. J'ai pas voulu regarder. Mais j'ai vu ça aussi. Donc. Bon, pour l'instant, on a rien. On a R. Enfin, si, on a. Voilà. On a plein de moisissures. Ah, jette ça.
sert à rien, mais jette ça. Je veux pas de ça dans ma calèche. Bon, bref, sur ce. 100% de perte de flamme, 33% de chance d'avantage ennemi en combat. On va s'éclater. Après, ceci dit, une manière de trouver une bataille de cultistes, c'est de mettre ma torche à zéro. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très worth, mais... C'est une méthode, quoi. Sachant que ça, c'est juste le bonus de Loafing. Donc ça ne comprend pas le bonus de la torche. Sachant que je crois que la torche a donné déjà... On était à 20%, je crois, d'avantages ennemis en combat. Quand on avait la torche faible. Ça va être la merde. Ça va être... Le jeu, il va être infernal. Mais trop bien. C'est beaucoup trop bien. Pour l'instant, je m'éclate hein, sur le jeu. J'adore ça. Voilà, bon, je me plains des personnages et des interactions, mais c'est tout ce qui fait le sel de ce jeu, c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est que c'est le jeu de l'interaction absolue, quoi. C'est le jeu, voilà, bon. Et en vrai, je pense que du coup, ce positionnement là au niveau de la cave est pas plus mal, parce que j'ai pas l'impression de cacher grand chose. Bon, évidemment, vous avez le fond vert qui fait de la merde, mais ça, voilà. Mais bon, voilà. Vous voyez, il y avait de l'espace à la base sur ce fond vert. Et encore que, normalement, je peux aller plus loin, mais bon, pas sur la cam. Mais ouais. Ouais. Donc on l'utilise. On l'utilise pour cacher encore plus tout le monde. Bref, sur ce, c'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye.